Buenos días les amis, aujourd'hui 70e jour de l'aventure, réveil au bord du lac Atitlan, magnifique ciel bleu. Je suis posé ici depuis un petit moment, je suis en train d'observer, contempler tranquillement. Et la beauté de ce lac me faisait penser à un autre lac que je connais, le lac Maninjau. Si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment, vous connaissez obligatoirement ce lac. J'y suis allé plusieurs fois, je vous l'ai montré plusieurs fois en vidéo. Je vous mettrai d'ailleurs un petit lien quelque part là, le lac Maninjau. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, c'est pour moi l'un des plus beaux endroits au monde. Alors j'ai pas fait le tour du monde, mais c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai pu découvrir au cours de mes voyages. Le lac Maninjau, ça se trouve en Indonésie, sur l'île de Sumatra. Ce lac est magnifique. Dès qu'on pourra à nouveau voyager en Indonésie, j'espère y retourner le plus rapidement possible. Le lac Maninjau, c'est vraiment un endroit fantastique. Mais aujourd'hui, nous sommes au bord du lac Atitlan. J'ai décidé d'aller visiter le village qui se trouve juste à côté, qui s'appelle San Juan La Laguna. C'est seulement 4 km d'ici, on va y aller évidemment à pied. Sur la route, je vais essayer de passer pas très loin de la boulangerie où je suis passé le premier jour pour acheter une empanada à l'ananas, peut-être un petit espresso aussi sur le chemin à côté du parc national, et puis direction San Juan de la Laguna. Et j'en profite tout de suite aussi pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Muchas gracias. A ti. ¿Cómo se llama? Manzanillas. Manzanillas. Como el árbol de limón. Ok. Tiene esto que es manzanillas. Je suis donc arrivé à San Juan La Laguna, les amis. De très très beaux points de vue sur la route. Alors sur la route, plutôt sur le chemin, très poussiéreux. Mais les 3,5 km, 4 km qui séparent les deux villages là, on a oui de très beaux points de vue. Je suis juste à l'entrée du village. Je me suis arrêté sur un petit stand. Là, il y a des gens qui ont un stand, une table, un petit tabouret. Je viens de prendre un jus d'orange frais, évidemment, un jus d'orange pressé qui a coûté 7 quetzals, il me semble. Et ils ont à côté un grand plat avec des fruits dans un sirop. Et il y a des clientes qui étaient là en train d'en acheter. Je dis, ah, c'est quoi ce truc-là et tout, je connais pas. Alors, ils appellent ça manzanita, comme des petites pommes. Et la dame qui était en train d'en acheter, très sympa, elle m'en a donné une de son gobelet pour que je puisse goûter. J'ai pas trouvé forcément le goût de la pomme, ça me fait plus penser à une petite prune. Du coup, j'en ai acheté un gobelet, un petit gobelet, ça a coûté 6 quetzals. Il y a des petits pépins dans le fruit, il y a 3 ou 4 pépins
dans le petit fruit qui est pas très très gros. Donc après ce petit jus d'orange, après ce gobelet de manzanita, je vais maintenant pouvoir manger quelque chose de plus consistant. Je vais essayer de me trouver un petit restaurant ici à San Juan La Laguna, et puis j'ai repéré aussi un mirador à la sortie de la ville. Oh, muy bueno. Solo la que le recomiendo sería en este, para que pueda. Aquí está bien. Muy bueno comer aquí con la vista. Ça y est, me voilà arrivé en haut du Mirador, les amis. Petit quart d'heure de marche. C'est un petit peu dur là, après le gros burger frites que je viens de manger, plus les nachos et le guacamole. Après la Turquie, je m'étais dit, parce que en Turquie, j'ai quand même beaucoup mangé. Après la Turquie, je m'étais dit, il faudrait que je me trouve un pays où la bouffe est pas terrible. Comme ça, je mangerai un peu moins. Bon, ça ne sera pas le cas au Guatemala. Hein. La bouffe est quand même assez riche, assez grasse. Je dois dire que tout ce que je mange, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Le burger était très bon. Le pain particulièrement était très bon. Donc, avec des frites. Par contre, les frites, c'est la première fois que je mangeais des frites surgelées au Guatemala. D'habitude, c'est tout le temps des frites maison. Là, c'était des surgelées. Et puis, assiette de nachos avec un gros ramequin de guacamole. Pour faire couler tout ça, un soda au citron, par contre fait maison, avec les petites tranches de citron vert et tout, très bien. Le total, ça a coûté 60 quetzals, ce qui doit faire dans les 6,20€, 6,30€, quelque chose comme ça. Donc me voilà arrivé en haut du Mirador, il y a un petit ticket d'entrée à payer de 10 quetzals et il n'y a personne. Il y avait un père et son fils quand je suis arrivé, ils viennent juste de partir. Il y a un agent de la sécurité là juste derrière, mais sinon il n'y a personne. Donc je peux profiter pleinement de ce magnifique paysage. On entend les musiques au loin, il y a de la musique partout ici au Guatemala. Ça apporte une
une petite touche festive, hein. C'est vrai que c'est dansant, c'est joyeux, on entend tout le temps, tous les commerces y mettent de la musique, il y a de la musique sur la place municipale, et en plus en ce moment il y a tous les chants de Noël, donc ouais c'est vrai que c'est très agréable. Je vous fais quelques plans, je range la caméra et je profite tranquillement de ce beau paysage sur le lac Atitlán. I fall asleep, yeah. I need you with me by my side. It's all I know now. I need you with me by my side. Retour à San Pedro. Alors, cette escapade du côté de San Juan, la Laguna, c'était très sympa. Surtout ce soir-là, le point de vue, le mirador, tout seul, tranquille, à observer toujours ce magnifique lac Atitlán. J'ai pris donc un tuk-tuk, mon premier tuk-tuk ici au Guatemala. Alors, je m'étais renseigné, j'avais demandé au vigile, au mirador. Je me dis, ouais, c'est combien à peu près pour faire le trajet entre les deux villages? Il m'avait dit 5 ou 10. Alors, 5 ou 10, hein, on passe du simple au double. Mais même 10, ça me semblait pas beaucoup. 10, ça fait un tout petit peu plus d'un euro pour faire les 5 km, peut-être même un peu plus, puisque j'étais de l'autre côté de San Juan. Il m'a demandé 15 quetzals, ce que j'ai trouvé tout à fait honnête. Pour la course, pour la distance. Voilà, retour à San Pedro et je suis à nouveau dans le parc municipal où il y a l'église. J'ai passé beaucoup de temps, hein, depuis que je suis arrivé au lac Atitlán dans ce parc. Ce matin, j'étais là pour manger mes petits cookies. Hier, je suis passé, avant-hier, je suis passé. Je l'aime vraiment beaucoup. On est au cœur du village de San Pedro et puis surtout, c'est très vert. Il y a les cocotiers, donc il y a l'église, il y a la statue de San Pedro qui est juste en face de moi. Et puis, vous voyez, il y a énormément d'arbustes, d'arbres. C'est très vert. Ce soir, je ne vais probablement pas faire de dîner puisque j'ai mangé, il était 3h30, je me suis éclaté le bide. Je vais juste aller grignoter peut-être quelque chose là, pas très loin de l'église. Et je voudrais pas trop m'éloigner puisque il y a ce soir une messe évidemment pour Noël. J'aimerais bien en voir un petit bout ou entièrement, je sais pas. Ils sont en train de monter une estrade à l'extérieur, alors je sais pas s'il y aura une partie à l'extérieur. Muchas gracias. Es muy bonito. De gracias a Dios a intención que el divino niño Jesús les conceda más bendiciones. Y el Dios por los siglos de los siglos.
Alors, cette messe de Noël ce soir dans le village de San Pedro, très sympa en fait, c'était une messe en plein air. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça ou si c'était en raison du Covid. Alors, j'ai pas assisté à la messe dans son intégralité, mais c'était très sympa, ouais, une messe en plein air avec toutes les guirlandes qui font de la musique. Donc, tout le monde vient avec son petit tabouret puis s'installe comme ça dans le parc. Ce qui était sympa aussi, c'est qu'il y avait un orchestre et une chorale sur le côté. Alors, je me suis pas amusé à me déplacer avec ma caméra, faire le guignol comme ça au milieu de tout le monde. Hein. Je suis resté à l'endroit où j'étais, je vous ai fait quelques plans comme ça, mais c'était assez intéressant. Et puis, juste avant, je suis allé grignoter, je vous avais dit que je mangerais léger. Finalement, je me suis plutôt bien calé et j'ai mangé 3 tacos al pastor. Alors, al pastor, ça nous renvoie un petit peu en Turquie. C'est une méthode de cuisson qui vient du Mexique, mais qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. C'est de la viande qui est cuite à la broche, verticale, comme les kebabs en Turquie. Sauf que là, c'est exclusivement, enfin la plupart du temps, il me semble, c'est de la viande de porc. Donc, en tacos, hein, sur des petites tortillas avec voilà, petits morceaux de tomates, petits morceaux d'oignons, sauce à l'avocat sur le dessus, on pouvait rajouter pareil un peu de piment et tout. Les 3 tacos plus un milkshake à la fraise, oui j'avais dit que je mangerais léger, plus un milkshake à la fraise, ça a coûté seulement 20 quetzals, ce qui fait un petit peu plus de 2 €. Et je dois dire que les tacos al pastor, je les ai engloutis, c'était pas mal du tout. Alors ces tacos en guise de réveillon de Noël, je voudrais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Hervé Chevolet, Hannibal L et Marta Chwepanski. Désolé encore Marta si j'écorche ton nom de famille. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Demain les amis, c'est une nouvelle journée ici à San Pedro, mais demain, je ne fais rien. Je reste tranquille ici, grasse matinée, le hamac derrière, peut-être une petite balade, mais voilà, je ne fais rien demain, je me repose donc. Pas de vidéo demain. Voilà, il me restait juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle journée au bord du lac Atitlan. Ciao, good night.